Annie Dertin, bonjour. Vous êtes arrivée à Pékin. Vous êtes la vice-présidente du jury de Style et Tendance dans l'art international, Pékin 2014. Comment se présente cette manifestation ? Chaque année, il y a des innovations. Cette année, les techniques multimédia sont mises en œuvre pour présenter les œuvres des artistes par vidéoprojection, donc ce qui permet de les projeter en couleur, en grandeur nature, voire plus grande que nature. Et donc c'est tout à fait d'actualité que d'employer ces moyens-là. Nous sommes également très flattés d'attendre la couverture de cet événement par la CCTV. Alors cette manifestation se déroule le 6 décembre au Novotel Peace de Pékin, dont vous apercevez là quelques détails du magnifique décor. Le palmarès sera lu par Monsieur le Président Eugène Germain, président du jury. Mesdames et Messieurs les personnalités des arts de la culture, Monsieur le délégué général des éditions des musées de la culture, EDFC, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis artistes. Je suis particulièrement honoré d'ouvrir aujourd'hui, en ma qualité de président du jury des styles et tendances, dans l'art international Pékin 2014. Des musées et de la culture travaillent beaucoup sur les analyses esthétiques d'œuvres d'art et donc il y aura une synthèse qui sera faite et pour chaque artiste qui aura présenté des œuvres, on va essayer de voir deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est innovant dans ce travail qu'a présenté l'artiste, mais en second lieu aussi, comment cet artiste se place dans un contexte international. Nous allons donc voir le travail de Alain Bély. Alors Alain Bély est connu déjà en Chine, puisqu'il a déjà exposé, et son travail, c'est un travail sur les éruptions chromosphériques, donc implosion originelle. On s'aperçoit qu'en fait Alain Bély est un artiste qui travaille beaucoup sur les aspects cosmos, cosmiques, et qui travaille beaucoup aussi sur l'énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'il peut y avoir à travers le cosmos, à travers les étoiles. Il a comme surnom le peintre des étoiles. Toujours dans cette recherche, on peut dire cosmique, il faut dire aussi que sur sa technique, c'est une technique de papier froissé, c'est du papier de soie froissé, donc qu'il colle sur la toile. Et dès lors, ce papier de soie froissé qu'il met sur la toile,
produit, on peut dire, beaucoup de relief. Ça produit des formes donc spontanées, ça produit des formes originales. Et les œuvres que vous voyez, ce sont des œuvres qu'il a faites avec du papier de soie trouvé en Chine. 然后我们要特别给大家介绍的呢，是他就这位画家他所使用的这个绢纸是从是使用的中国的绢纸，然后呢，这个大家现在可以看到他的这幅作品，充满了非常独特的纹理，这些纹理呢都不是说刻意的创造出来的，而是就用了这个绢纸它自然的一种形成的这个颜色，然后给予这个作品非常独特的一种魅力。 Le peintre des étoiles, Alain Delic, est un peintre qui habite dans le sud de la France et que ses œuvres sont connues. D'ailleurs, il était déjà venu exposer en Chine. Et avec, bien sûr, le plaisir qu'on peut avoir de présenter cet artiste, nous voyons maintenant une autre œuvre de ce même artiste où l'on voit justement tout ce qui peut être cosmique à partir de ce bleu foncé, avec ses tracés. Et tout cela, bien entendu, c'est, on peut dire, l'énergie cosmique. Il veut en fait peindre ce que l'on peut imaginer, pas forcément ce que l'on peut arriver à voir. Et 所呈现给大家的却并不是我们真的有幸能够用双眼能看到的，更多的是一种感官。 Parce que c'est un artiste qui m'a dit donne bien le bonjour à tous mes amis chinois quand tu iras là-bas. Je compte sur toi. Et bien, ben voilà, ça y est, on va faire un grand bonjour. C'est un peintre qui va faire une grande carrière internationale. Il a déjà exposé un peu partout dans le monde. Mais on sait que ces nouvelles séries, ça sera un grand problème pour ça. Oui, c'est des rencontres amicales, c'est des rencontres du talent, de l'amour de l'art. Et en fait, ce sont des rencontres entre l'art et l'art. Et merci. Nous allons annoncer le palmarès Style et Tendance dans l'art 2014, Style et Tendance qui a été donc une manifestation particulièrement intéressante. Nous allons continuer donc la présentation de ce palmarès, le Trophée international des arts. Le voici. Nom de l'artiste, Alain Delic a obtenu le Trophée international des arts de Chine. Bravo.